Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 27 janvier, aujourd'hui samedi, jour de la semaine. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 27 janvier 2024, mesdames et messieurs. O tuzana basango ebele, togobete labino, o togobete labino likolo. Ya masolo o yezoleka à l'est de la République. Il y a des situations qui sont tendues dans des différents territoires, comme dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Masisi, mais également dans les territoires de Lubero, pourquoi pas dans les territoires de Nyiragongo. Donc les choses vont très mal. La situation est vraiment compliquée. L'insécurité, qu'on n'en parle vraiment pas, les rebelles du M23 qui font vivre, qui laissent vivre le peuple congolais vivant à l'est de la République dans des situations déplorables comme dans les territoires de Rutshuru. Tout ça, Basango ebele, y a association Oyozo condamné acte Oyo M23 Osala. Eloko yo ezo salema à l'est de la République. Donc masolo eza ebele, masolo esali ke no bato bazolela, masolo esali ke no bato bamusu bazokufa. Il y a des choses qui se passent au pays, o bato bazomona bango moko bafandi balobi vraiment qu'est-ce qui se passe réellement à l'est de la République. Ozana Washington, ozana Belgique, ozana Brésil, ozana Zimbabwe, ozana Johannesburg, osa n'importe où, Lubumbashi, Kinshasa, parce que nous là on est en direct de la ville de Goma. Masole Zole Kakotoyo, bienvenue à suivre ce nouveau numéro. Otoko développer Basige et Bele Pona Lelo. Toko bandana nous na Akage Oyo Eza, association congolaise Oyo permettra ka batunyo so bazala na justice Oya solo, o batu bazala na accès ya justice Oyo Eza vraiment ya bo solo. Et condamné biloko yezu salema l'est de la République, et condamné des violences qui sont en train de se faire par les rebelles du M23 soutenus par le RDF et à Rwanda, et condamné fermement ce qui s'est passé à Mweso Batubakufaki, les gens Bakufaki. Bakufaki na nini? Bakufaki na kati ya bitumba. Est-ce que bango babandiko beta? Que dit les règles de la guerre? Les règles de combat. Elobi nini? Elobi ke mutu oyo azana combatte. La personne qui ne participe pas au combat n'a pas droit d'être bâti. Oko beta mutu oyo azana bitumba te. Ça ne peut pas se faire. Eko sa le maté. Eko simbate, c'est interdit par les lois, les règles qui régissent la guerre, les règles qui régissent les combats. Ezala kabongote, batu oyo ba concerné na bitumba te, jamais ba kokota, ba kozala ba victime ya bitumba, mais c'est pas le cas. À Mweso, c'est pas le cas. C'est pas ce qui s'est passé à Mweso. Le peuple congolais, ba citoyen o yamboka wana bazalaki ko participer te na makambo wana. Ça ne les concerne pas. Mais bakufaki. Bakwesi bombe si lisi bato. Et puis lorsqu'ils sont accusés, M23 nde bandaki ko accusé FARDC. C'est FARDC qui a largué ses bombes sur le paisible citoyen. De son tour, FARDC angope et accusé M23. Kofundana, ni baoyo bandimite, ni baoyo bandimite. Bombo wane mime maki wana. Tozo abatez monsusu, eske FARDC kobu ma paisible citoyen na yon, nango? Ezo betana pour protéger cette population? Eske se militaire a FARDC? Eske se wazalendo? D'ailleurs le wazalendo la so de peuple, so de zanfa ya mboka wana, so de bazabana ya mweso. Bazabana ya mweso wana. Bango pe bakumbumasu ba frère na bango. Les gens larguent des bombes.
Ça tue les gens, ça tue le peuple congolais, ça tue la population. C'est comme si une vengeance au bazo sala sur la population. Bombardement des maisons de civils à Mweso, à Kaje, à Sbel, dénonce les crimes de guerre et appelle l'armée congolaise, la MONUSCO et la SADC à intervenir pour sécuriser les civils. M23 RDF tué, viole et recrute les enfants mineurs à Mweso, province du Nord Kivu. Donc M23, ils ont violé, M23, ils ont pillé, M23, ils ont recruté bana mineurs à Mweso dans le Nord Kivu, par force. L'association congolaise pour l'accès à la justice à Kaje, à Sbel, condamne fermement les crimes de guerre à encore des perpétrations dans la cité de Mweso, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, précisément à l'est, par les terroristes du M23 RDF. Elle appelle les FRDC ainsi que les contingents de la MONUSCO et de la SADC déployés dans l'est de la RDC d'intervenir rapidement et efficacement pour protéger les populations civiles. Faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire à toutes les personnes en errance. Arrêter les auteurs de ces crimes et les déférer devant la justice. Aka je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine de condamner les rôles des instabilisateurs que joue le Rwanda à l'est de la RDC et de sanctionner ses plus hauts responsables politiques et militaires. Wana Kaje. Bazofanda place bazofanda bayoki sango. Oyo leka ki na mweso ba moni non. Eko leka bongote. Ça ne peut pas passer comme ça. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrive à parler. Il faut qu'on arrive à faire quoi? À parler. Communauté internationale, MONUSCO, les Nations Unies, les États-Unis, l'Union Européenne, l'Union Africaine, à Mweso, Batubakufaki. Aka, j'ai condamné fermement. Acte wana oyo salemaki na ba M23 bien que bazo wangana moibi ata bazuye bazui moibi loboko na ye na kati ya nzungu azoiba eloko songolo jamais akondima et n'accepte jamais alobaka na lingangi na bongisa mais c'est pas ça bazo buma bazo recrute bana ba mineur par force bazo viole bazo iba et puis likambo ele kaka bongo. Eko le kabongote, eza eloko ezo simba motema, ezo eloko yo, ezo sala mabe na motema, ezo eloko yo, tozo tala, tozo koto yo, tolobi, mais au juste, l'état de droit eza wapi. Au juste, bato ba mbriaka batu na matoi, baza wapi. No, bangonde baza charge boy, baza wapi. 19 personnes ont perdu la vie, na bombardement, 19 personnes. Et plus de 20, combien 23, 27 blessés, gravement blessés. To ebite so lobby kuna, bobando yo kake, naba blessé wana moussou akoufi. Azaki na eta moko critique, moussou akoufi. Nombre de décès, ezo bakisa. To kousou ke la wapi. So ki boye ko continue kaka. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Eza na tina te. Eza na tina te. Eza ya malonga te. Ba mousouzou basala kata ki terroriste. Mais bo kombi na mboka ya batu. Bo mito si. De négociations yo bozo luka. Ba M23 bozo luka. Gouvernement congolais boya. Ba boya na bango. Ils sont clairs dans leurs propos. Le gouvernement congolais. Nyon soa na gouvernement. Le gouvernement est clair. Na ba propos na e. Et lobby, on ne négociera jamais avec le M23. Mais le M23 bazoulukani.
bazo luka nini? Bazo ndima kotikate. Bazo ndima kolachete. Au final, nini kosa l'avenir na bango. Avenir na bango zanini. Bako continue bongo kaka. Totala. Tout mon abonné continue. Combat M23 RDF à Mouesso alors que les familles plairent encore leurs membres abattus dans les bombardements de l'avant-hier à 14h ce vendredi 26 janvier. Les affrontements qui opposent les M23 RDF au Wazalendo reprennent autour de la cité de Mouesso. Des sources locales précisent que les M23 cherchent à tout prix à prendre la cité de Mouesso. Les jeunes résistants Wazalendo tiennent également fort. Les jeunes résistants vont tenir na bango makasi. C'était hier. Bazalaki kokunda batu oyo bakufa ki. Bazalaki kokunda batu oyo ba perdra ki vi na bango na kati ya bombe wana. On était en train d'enterrer l'inhumation à Batouane Zala qui lobby. Les familles pleuraient. Batoubazo Leila. Batoubazo Leila. Il pleure. Les gens pleurent. Bazo Kunda Bandekona. Imagine-toi, Moutou Oyo Mona qui est Tongo, ok, Bilanga, Ozongi Oyo qui est no bombe Kweya qui Adae, Akoufi. Lobby Kuno qui est Okundae. Et pendant que Ozo Kundae, ba M23 ba bandi bitumba lisusu. Si c'est pas eux qui ont bombardé, si c'est pas eux qui ont fait ça, si c'est pas eux qui sont les auteurs ya crime wana ndenga bazo wanga, pourquoi alors lorsque ils sont entrés d'animer batuana bazo kunda batuna bango bazo kunda bandeko na bango bazo kunda bandeko na biso oyo bakufa ki bango ba bandi bitumba lisusu, pourquoi ils veulent désinstabiliser ni la population andeye Obumeli mutu mutu, azo kunda mutu nae, olingyo bumae lisusu. Wana nyoso, il faut communauté internationale et prendre en considération. Bote la biloko ezoleka. Ezoleka na kati ya Rutshuru, eleka ki na Kisise, ezoleka lelo na kati ya Mweso. Lobito ebi plasteko ekolekela. Bamizu ba pomba. Leur vengeance, ils sont en train de le faire sur les paisibles citoyens congolais. Babetani na FRDC, FRDC boumi ba officier na bango. Ils n'ont pas signalé. Lorsqu'il y a un affrontement, wana, moko na mokonzi na bango akufaki. Un colonel, un officier a perdu la vie. Mais baloba kite. Sko vengeance wana, bazo linga basili sango sko yo na paisible population ba congolais. C'est pas sur le peuple congolais o ba méchant na bango gosili. C'est pas sur le peuple citoyen au batubazo fanda na bango kimia na boboto ne mesha wana ekosila na ba mesha na bango wana te ekosila wana te ekosila bongo te so bazami bali ba kino beta na nao bazo beta bango ba jeune résistant wazale nango batil bango barrière. Ba jeune résistant ngo balobi bakoleka wate. Ba jeune résistant balobi tokangali bango nzela. Vous êtes incapable d'affronter les jeunes Wazalendo, les résistants Wazalendo. Mais lorsqu'il s'agit de déverser votre colère sur la population, alors vous commencez à le faire. Interdire les jeunes qui ne circulent plus après 18h, interdire aux jeunes qu'il est strictement interdit de quitter ces cités où bango ba occupé. Interdire les cultivateurs d'accéder à leur mouvement champêtre. Interdire les cultivateurs même. Koko tera bilanga na bango. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vraiment que le gouvernement congolais s'implique dans cette affaire et que base soit solution. Bien comme on a boni bakobeta M23, il y a bien. S'il y a des bombardements, il y a des salles pour les M23, basa la yango. Si y'a ba eloko e bakusala vraiment, basala yango. Si y'a des choses, oh bakusala décision. Gouvernement congolais fandi lobi non. Les loto lingito beta munguna, ba beta yango ya très bien. Qui n'y a même pas de pitié.
et qui va chantage, on a besoin de chantage. Oh, encore une fois de plus, l'armée congolaise a bombardé, nos officiers sont morts, on a perdu nos hommes. Vous avez perdu vos hommes? Ah, vous avez perdu vos hommes? Ce n'est pas votre terre ici. Vous avez dit que vous avez des violences sur le sol congolais et que vous voulez bah, applaudir les couloirs. On ne peut jamais applaudir. On ne peut jamais applaudir. On ne peut jamais encourager des actes ignobles comme ça. 19 personnes basa et belé. Bakoufa qui 20 kuna na Burundi. C'était au jour de Noël. Il y a Noël qui. Bakoufa qui 20. Son Excellence Taïshimi a télé à l'obit. Non, c'est assez. Akangi barrière. Mais n'est-ce pas au Congo, Oyoza, Bandeko Nabino, n'est-ce pas au Congo, Oyoza, Papa Nabino, n'est-ce pas au Congo, Oyoza, Oncle Nabino. Bon, mais ça n'a pas de boue, bon, ça n'a pas de boue. Nini, oh, bon, babo. C'est ce qu'on s'est dit. Il faut parler, parler. Parler. Non, il y a des accords que le Congo n'a pas respecté. Quel accord? Bokabelana nini. Bopesa nini. Botekisana nini. Bosunga Congo la nini. Non, il s'est dit que la boue, mais ba. Nini, oh, yo, Congo, et pesi Rwanda, te. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Nini oyo, Congo et Pessi Rwanda. À l'époque, il y a Joseph Kabila. Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait pour le Rwanda? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pour voir seulement si la paix peut être et cause à la Zongi. On peut rétablir la paix à l'est de la République. À intégrer Bango na armée, à Pessi Bango Bamisala, à Pessi Bango Boe. Mais insatisfait, n'est-ce pas que vous avez insatisfait? Bozongi Lissousou. Est-ce que vous avez dit que non? Botika bitumba, botika bitumba te. Toujours vouloir agresser Mboka. Toujours vouloir kokota na Mboka yabatu. Et aujourd'hui, vous voulez réclamer ça encore chez Tshisekedi. Je ne pense pas si Tshisekedi peut le faire. Je ne pense pas si lui va céder à ce chantage-là. Je ne pense pas. Ça, c'est selon mon avis. Je ne pense pas. À moins qu'on me prouve le contraire, mais je ne pense pas. Bozon dimate, bozo lingate, bino kaka au top, bino kaka au top. Quel est cet accord? Bolo bakayango? Si on ne respecte pas tout le monde à Kabatu, so ba yokanite, bazaki na ekor moko boe, so ba yokanite, moko na bangwaza la kapre ko dévoile secret, et si mba kite, et se ngala kieza la boe, na sa la ki bango boe, vous avez fait quoi? Bosa la ki nini? Vous essayez un peu de corrompre certains membres ya yamboka, certains bana yamboka, tika bango ba kende, mais les gens qui sont là ne vont pas céder. Vous avez tué les gens à Mouesso, mais Bamoussous Bazali. Les Ouazaliens vont vous poursuivre jusqu'à la fin. Les FRDC vont vous poursuivre jusqu'à la fin. D'ailleurs, Oeza Sadek, Eko poursuivre Bino Tina Souka. Nani Eko Maki? Bakonteja à Tanzanie. Bakomaki Lobby. Ils sont arrivés hier ici à Goma. Lobby n'est pas Bakomaki. De vos hommes, on a mis au temps sur les réseaux sociaux. Bakomaki Lobby. Ils sont arrivés hier. Pour finir avec vous. Pour finir avec la M23. Pour prendre fin, Yali Kambouana. Oh, armée congolaise. Bazo Salaboy. Bazo Salaboy. Bazo Salaboy. Vous savez ce que vous faites. La M23 est en train de faire peine. Et ce Salaban Amboka Balé là. Il n'y a plus la liberté d'expression à Rutshuru. Exacté. Exacté. Moi, j'allais suggérer que mon conseil Amboka ba priorité dans mandat na Eoyo. Priorité de priorité, atika te ba projet nyo son mboka. Mais à s'occuper d'abord na batu oyo. À s'occuper d'abord na M23 oyo. À sili sabango. On en a marre. Ça déborde. Eleki nango. Ça déborde. Eleki nango. Eleki. Il faut noter que la grande partie de la cité de Mouesso, dans les territoires de Masisi, et sous contrôle des jeunes résistants aux Zalendo, donc parti Munene Oyo à Mouesso, au Banga qui bazou à Nyangala Katoana et M23, Babando Beta, Babando Wanga, Babando Kosala qui n'ont pas aux cité, Oana, mais Simba Kite, ils ont tout fait pour que Bazou à cité, mais ça a échoué, ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu vraiment, et Simba Kite. Mais ça, il faut dire vraiment gloire à Dieu, merci à Dieu pour ça. Mais également, il faut féliciter les jeunes résistants aux Zalendo qui ne cessent de se battre chaque jour au quotidien pour protéger cette intégrité du territoire national. Donc, c'est un peu ça, les solos. C'est ça, Masoula Couloir, au Yuzo, les cas à l'est de la République.
Il faut aussi noter que les contingents, il y a Sadek, au Bazaya, il y a nationalité tanzanienne, bah, comme qui depuis lobby, bah, il faut renforcer. Kalamingite, Nakanisi, mission na bango ezobanda kalamingite bazo banda musala oyo ememi bango koto bango ba e promenade te on peut compter sur et les Tanzaniens sont un peu sérieux dans ce qu'il faut basala la kelo ko eza vraiment ya komono na ya malonga basala ki les sous a wana cadre des Nations Unies o ya ba brigade d'intervention wana basunga ki force brigade d'intervention basunga ki vraiment on espère croire que confiance au bapesi na bango bako défendre yango po basala quelque chose oyo kosunga bana mboka oyo kosunga bana ya est pour libérer ba espace wana occupé par les terroristes du M23 et que kimia ezonga na kati ya mboka lisusu. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission, mais ndenge je vais pouvoir encore vous rappeler qu'il y a quelques jours, nous avons lancé appel au Yalisungia au cause de la télépie, au cause de la caméra, au cause de la bisondeko. Parce que d'ici là, tout le monde qui est babitumba, le Sabino, le Kakuna, le cas sur terrain, pour voir si on peut améliorer la qualité de ce travail. Toujours ça, la tala, toujours ça, n'a pas moyen de bord. Des fois, il n'y a pas de lumière suffisante. Des fois, il n'y a pas ceci. Des fois, il n'y a pas cela. Mais tu espérais que nous soyons aussi les Sungi, la qualité de ce travail. Toujours ça, là, spécifiquement pour la sécurité à l'est de la République. C'est pourquoi l'équipe, Oyo, il y a Congo Live TV, et zo Bengayo. Équipe Oyo Eza à l'est, Oyo zo couvrir ba bitumbo zo couvrir ba eloko boy o topé saka yo ba information topé saka bino ba information Oyo zo le kakoto yo to lansaki appel à le sunya ko le bakeno o koza na quelque chose o kosunga biso ça va nous permettre à améliorer la qualité de ce travail mais également à vous faire le direct de ce qui se passe au front. Les dames et messieurs, c'est pourquoi ce numéro que je vais dicter est disponible. Il y a que recevoir quelque chose au cause de l'ango parce que c'est ça aussi cause de la patriote cause de la patriote et zaka kolobate au cause de la offande kuna na poto oza wapi mais oza na idée oza na motema oza na souci wana ya kosunga bandeko oyo baza na kati ya mboka. C'est pourquoi numéro na biso oyo ya Orange Money soza na quelque chose oza na motema wana ya bien ya kolinga kosunga biso na Orange wana oza na numéro ya plus 243 80 83 06 802. Je réitère le numéro 080 83 06 802. Ça, c'est un numéro Orange Monnaie prêt à recevoir vos contributions, vos lisungi, Namasolo, Mosusu. Je suis Youssouf Kibingila, David, journaliste à Congo Live TV. Je suis joignable et tout disponible à plus 243 9 93 46 71. 93. Merci les dames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci, excellent week-end à vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci et bye bye.